Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 33-37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, Jésus fait allusion à cette tradition que l'on avait devant les tribunaux de l'époque de jurer par le ciel, par la terre, par Jérusalem, voire souvent aussi par l'autel ou le bois des sacrifices. Et souvent ces serments étaient dévoyés, uniquement des mots prononcés sans aucune valeur de la part de celui qui les prononce. Jésus nous renvoie à notre condition d'homme. Nous n'avons aucun pouvoir sur nos propres cheveux, comment pourrions-nous invoquer des choses qui nous dépassent ? Il nous renvoie à une autre chose essentielle, la vérité, la sincérité, que notre oui soit oui, que notre non soit non. Tous nous sommes libres devant Dieu, libres de croire, libres de ne pas croire, si nous croyons que notre oui soit sincère et que notre oui soit ensuite conforme au reste de notre vie. Amen.